Bienvenue à vous, bienvenue à vous sur la chaîne Master et Kenny Leski. Je suis Master, lui c'est Kenny. Dans cette vidéo, vous allez le voir manger certaines choses en toute petite quantité. Donc peu importe ce que ce sera, ça ne lui fera rien du tout. Donc merci de garder vos commentaires. Oh, tu te rends compte l'amidon? Oh, la balle de pain? Oh, céréales? Oh. Viens, respire. Je sais que je suis chiant à le répéter à chaque fois, mais à chaque vidéo, j'ai des problèmes dans les commentaires avec ça. Donc moi, au moins, tu vois, ça rajoute du watch time. Oh, j'ai oublié. Salut, c'est le Kevin du futur. Pense à liker, commenter et partager la vidéo. Je fais pas souvent des vidéos, donc quand j'en sors, t'aimes pas la voiture de riche? Bah en fait, j'aimerais bien que les vidéos elles marchent et que je puisse pas acheter ce genre de voiture de riche. Donc voilà frérot, s'il te plaît, like, commente à fond, partage la vidéo pour soutenir la chaîne. Et voilà, ton boy, il va bientôt être tout seul, il va être dans la merde niveau argent, donc il a besoin de toi aussi en plus. T'as envie que Kenny meure de faim? Toi, je sais que moi, tu t'en fous que je crève, ok? Je l'ai compris ça depuis le temps, mais... Soutiens la famille frérot, à tout de suite dans le passé. J'ai même pas pris la peine de vraiment me coiffer ce matin. J'ai mouillé mes cheveux. C'est tout. Je sais qu'à chaque fois j'aime parler de mes cheveux dans les vidéos comme ça là, mais bon, en ce moment j'évite de trop me coiffer. Parce que quand je me coiffe, je me coiffe. Faire alisser ses cheveux, cire, spray. Je suis là, mais hey, c'est pas une tête que j'ai après, c'est une sculpture. Si tu le vois derrière cette fois-ci, je vais pas juste en forêt pour marcher, je vais faire du canyon VTT avec lui là. Parce que tu peux le voir qu'il est super excited. Ça fait un moment que j'ai pas pu aller avec lui en forêt parce que déjà je suis parti en vacances pendant un moment sans lui. Et toutes les autres fois, il a plu. Et là encore aujourd'hui, je sais pas quel inconscient je suis. Il y a zéro soleil. Il va pas pleuvoir, mais il y a zéro soleil. J'ai créé un TikTok. Ouais, non, sans transition, comme ça j'ai créé un TikTok. Le lien est dans la description, les potes, parce que quand j'ai créé le TikTok, il y a. Le TikTok, putain. Quand j'ai créé le TikTok il y a un mois et demi, les gens me prenaient pour mon propre fake. Non, t'es pas le vrai, c'est pas possible. Je l'ai dit sur Instagram, j'avais un TikTok. Mais bon, j'ai beaucoup de moins de gens sur Instagram que sur YouTube. Le nombre de personnes dans les commentaires de mon TikTok qui sont venus me voir et me disent: putain, mec, tu dates, je regardais tes vidéos avant, t'as disparu du game. Non, c'est vous qui avez arrêté de me suivre, bande d'enfoirés. Vous m'avez lâché en pleine ascension. Après, c'est de ma faute si j'existe plus. Oui, on est énervés tous les deux. Et TikTok, c'est vraiment une plateforme. Au début, j'avais beaucoup d'a priori. Enfin, j'en ai toujours, hein. Mais j'ai beaucoup de choses que je reproche à TikTok. Mais vu que l'algorithme de TikTok fait que toutes tes données sont pétées, hein. Ouh, j'ai grillé une priorité. Toutes tes données sont pétées, même à ce niveau-là. Et du coup, bah, ce que je vois sur TikTok, c'est que des trucs que je veux voir. Et c'est pas mal. Les for you, merci à you. Et c'est assez extraordinaire le parcours que j'ai sur TikTok. Parce que là, en un mois et demi, on a déjà plus de 75 000 abonnés déjà. Plus d'un million de likes. J'ai un TikTok à plus d'un million de vues. Alors qu'il est nul. Mais le seul pire TikTok que j'ai lâché. Mais il fait un million de vues. Mais what? C'est dommage que la TikTok monnaie elle rapporte pas autant que YouTube. Sinon là putain j'aurais été ralasse en un mois et demi. C'est simple, si l'argent de TikTok était l'équivalent de l'argent sur YouTube, mais je serais pas en Peugeot 207 maintenant. Là je serais en Tesla. Je te jure mon rêve à l'avenir. Genre si je peux. Genre je veux avoir au moins qu'on me la prête, qu'on me la loue, je ne sais pas. Mais avoir une Tesla, faire une vidéo avec lui, en voiture, en Tesla. Juste comme ça. Parce que là tu vois, on rigole, on rigole. Mais là la voiture que j'ai, elle est à chier. Elle est pas optimisée du tout. Et c'est pour la lui qui s'incruste dans le fauteuil, mais ça me tue. Enfin bref, grosso merdo, go me follow sur mon TikTok dans la description. Et aussi, tant que vous y êtes, followez-moi sur Instagram. Je veux redevenir influenceur. Faites de moi un influenceur comme je vous dis à chaque fois. On en a marre de travailler pour de vrai nous. En plus j'avoue, je suis un escroc. Les trois quarts de mes TikTok. J'ai freiné un peu fort la gamelle de Kenny et la bouteille d'eau qui en suivi. Il vient encore d'arracher ça. T'as encore arraché ta ceinture? Ça va, je suis pas loin. Oh putain, et à chaque vidéo il me fait le coup, ça me saoule. C'est pas possible toi. Ah ouais, tu l'as bien arraché en plus. Hein. Voilà, hop. Là au moins ça aurait été super rapide, vu que j'étais déjà encore dans la ville. Donc là c'est devenu ton running gag à toi. Moi j'ai mes running gags, t'as ton propre running gag, c'est d'arracher la ceinture. Le truc c'est que les dernières vidéos en voiture, les vidéos elles se sont pas mal enchaînées, donc tu voyais que Kenny était très dépensé et très calme en vidéo. Là ça fait très longtemps que je l'ai pas emmené, là il est surex. Tu sais, là je suis en train de tourner une vidéo en voiture, ça fait tellement longtemps, je crois que la dernière vidéo en voiture elle date de l'été dernier. On est en octobre, là je sais pas, ça fait combien de temps la dernière vidéo, je ne sais pas, ça doit faire 2-3 mois. En plus c'est con, les vidéos elles marchaient grave bien à l'époque. Là la vidéo elle va faire 20 000 vues, c'est pas grave, tu vois, mais à l'époque genre j'étais pas mal niveau vues. Mais comme tu sais, enfin moi je fais des vidéos par pur plaisir, par pur temps aussi. Parce que bon t'es là, vos youtubeurs là qui ont une équipe de prod là derrière eux là. Et des monteurs derrière eux, voilà, ils viennent pour tourner. Ils se cassent et ils ramassent l'argent, tu vois, c'est aussi simple que ça pour eux. Moi je dois préparer la bagnole, ça met une demi-heure hein, juste pour installer tout le bordel. Faut calmer le chien parce qu'il est surexcité avant de rentrer dans la voiture. Et il est même encore excité là. Le montage derrière, alors là c'est toujours le pire truc de ma life. Non Kenny, vraiment, sois calme. Là on est une bonne ambiance, bon enfant, bon achat, tu vois. De toute façon là j'ai fait, c'est simple, on va faire du vélo là gros. Je vais te faire courir comme jamais ta coucou, mon gars. Jamais ta coucou. J'ai dit jamais ta coucou. Même Aya Nakamura n'ose pas des expressions comme ça, dis donc. Non, cette expression, elle est au moins 6 sur 10 sur l'échelle de Weshden. Voilà. C'est bien, Kenny. Super, ça. Ah bah, ferme ta gueule aussi derrière, par contre. Tu vois, quand je le dépense pas, il me le fait regretter tellement fort derrière. Mais ferme-la, j'en ai marre.
Tu vois, moi aussi je peux te saouler fort. Tu sais comment m'appelait quand j'étais petit, moi? Tu sais comment on m'appelait? Le casseur de couilles. Ah, ça va pas changer d'ailleurs, mais... Tu vois, je l'engueule, il s'allonge. Il me... C'était quoi ça? Ah, c'était la coque de mon téléphone, ça va. Tout à l'heure, on ira au McDo. Parce que j'ai pas mangé de la journée encore, je suis affamé, je vais faire du sport, je suis un baiser. Mais vas-y. J'ai repris le sport il n'y a pas longtemps, donc autant en profiter quoi. Un petit jeûne intermittent. Et je sais que j'avais commencé à dévier la série sur Burger King, mais le truc c'est que j'ai vraiment envie d'un McDo là. Ben, vraiment genre, là Burger King, la flemme tu vois. Là on reprend doucement les vidéos, je reviens un peu dans ma zone de confort, j'avoue. Je sais même pas quel burger je vais prendre, mais vas-y. Là cette vidéo je viens de me rendre compte, mais je me suis totalement préparé à l'arrache. Je sais même pas ce que je vais prendre au McDo. Pour te dire à quel... Ça c'est venu vraiment le niveau, le high level de j'en ai rien eu à la foutre. Jusqu'au matin même où je me suis préparé pour faire la vidéo. Peut-on dire freestyle sa mère? Totalement freestyle sa mère. Les vrais se souviennent du freestyle sa mère. C'est vrai que c'est, sur cette chaîne-là, je vous ai jamais parlé du concept de freestyle sa mère que j'avais sur mon ancienne chaîne YouTube. Le freestyle sa mère que je faisais à l'époque, il y a 6 ans. Damn, I'm old. En gros, le concept, c'est pas de concept. C'est-à-dire que ce que fait actuellement les 3/4 des youtubeurs français. Eh oui. Oh, tu arrêtes. Sinon, je porte plainte pour nuisance sonore. J'ai pris mon vélo. Oh putain, j'ai eu trop peur. C'est vrai, j'ai un vélo derrière. Oh merde. La pa... T'as vu la... Eh, non, là, c'était... il venait du cœur, là. Le... Oh merde, j'ai trop peur, bordel de merde. Je fais le malin, mais j'ai un vélo accroché derrière, moi. À tout moment, il se pète la gueule. Surtout que là, j'ai pas mis toutes les attaches. Ça l'a calmé, lui aussi. Il a fermé sa gueule, bizarrement. Gros coup de pression. Je pense qu'il a cru, je vais lui gueuler dessus. Putain, il y a trop d'adrénaline. Oh, ils construisent des nouvelles résidences ici, c'est pas mal, hein. Ce qui me fume, c'est que, littéralement... Dès que j'ai dépassé ma ville et que je prends toutes les villes pour aller jusqu'en forêt, c'est un dégradé de richesse qui est incroyable, tu vois. Plus j'avance dans mon trajet et plus les gens sont riches. C'est exponentiel de ouf. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Je me suis arrosé les lunettes pour faire la joke, mais c'était pas une joke de papa, c'était une joke de grand con là, putain. Putain, je déteste prendre des dodanes avec ce vélo derrière. Parce que même s'il est extrêmement bien accroché, j'ai toujours peur parce que c'est... C'est pas un truc fixe en fait. En ce moment, je suis en train de lui apprendre à porter la muselière et je l'ai montré sur TikTok, je l'ai montré sur Instagram. Les gens étaient choqués et ils avaient de la pitié pour Kenny alors que. Faut pas. J'y peux rien, c'est pour les transports parisiens. Il faut qu'il soit muselé. Juste. Quand je vois les commentaires que j'ai reçus c'est que, et les DM aussi, c'est que les gens sont vraiment super mal informés par rapport à la législation sur les animaux dans les transports en commun. En gros, quand l'animal fait plus de 10 kilos et qu'il prend les transports, il faut qu'il soit muselé. C'est juste ça. Avant, il fallait même payer un ticket pour le chien. La plus grosse connerie du monde. Genre, je l'ai fait une fois, j'ai dit, putain, l'aller-retour, il m'a coûté 5 balles. Pour toi, Kenny. Bah c'est fini, hein, pour appeler les transports. On va gruger, c'est fini, ça, t'es un ouf. Ça coûte trop cher. Tu veux une anecdote pourrie? En gros, pour mon déménagement, tout ça, et pour plein de trucs administratifs, je me suis créé, enfin, j'ai une nouvelle banque, tu vois. Donc, j'ai reçu ma nouvelle carte bleue. J'ai bloqué la carte bleue au premier essai, à la première fois que je l'ai utilisée. Du coup, vu que le week-end je pouvais pas être là vu que j'étais en déplacement, le mardi matin, là, à la réouverture de la banque, j'y vais. Je leur demande de me rendre ma carte vu que la carte a été avalée par le distributeur. C'est pas possible, revenez plus tard. Non, je reviens pas plus tard, monsieur. Déjà que j'ai pris du temps sur mon temps de travail, que je dois rattraper plus tard, ça me saoule. Tu vas me donner ma carte. Et mon père, il m'a dit, ouais, attends, je t'accompagne parce que je te connais, tu vas partir en couille, tu vas t'énerver. Mal pour coup, il a eu raison. Parce que moi, je me suis dit, bon, j'y vais, je récupère ma carte, basta. J'ai commencé à monter dans les tons comme le mec, il m'a dit, oui, je peux pas vous rendre votre carte. J'ai encore fait tomber ma gamelle, la bouteille d'eau, désolé. Moi, ça m'a rendu ouf. Et le pire, c'est que je ne savais pas qu'elle était bloquée, la carte. Je pensais juste qu'elle avait été avalée par sécurité. Pas que la carte était définitivement morte. Du coup, quand je vais au travail en même temps avec ma carte, je vais au distributeur à côté. La banque, après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me l'avale. Du coup, j'appelle ma banquière. En fait, elle était bloquée. Du coup, on me recommande une nouvelle carte. Enfin bref, quand vous apprenez votre code, apprenez-le pour de vrai. Non, je pouvais pas avoir un déménagement sans accro aussi, tu vois. La vie, c'est pas ça. La vie, elle est pas facile. Si j'avais pas de galère, jusque-là, pour l'instant, pour trouver l'appart, tout ça, j'avais eu zéro galère, zéro. C'était torchon, chiffon, carpette. C'est pas la bonne expression, mais t'as compris. On m'a demandé aussi pourquoi, quand je suis en vidéo en voiture, je filme jamais. Quand je vais en forêt avec Kenny ou quand je fais du vélo avec lui, je filme jamais. C'est tout simplement parce que ça, c'est des moments que j'ai envie de partager avec Kenny, parce que c'est aussi des moments où, en plus du fait qu'il se dépense, c'est des moments où ça me permet de l'éduquer encore un peu plus et je préfère vraiment me focus là-dessus. Je partage quelques stories sur Instagram, c'est tout. D'où l'importance de me follow sur Instagram. J'étais intrigué par quelqu'un qui chopait des champignons. Enfin, qui partait à la cueillette de champignons. Parce que quelqu'un qui chope des champignons, c'est pas... pas pareil. Tu vois, là, il y a un truc que je regrette fort. Je suis en pull seulement et il fait froid. Il fait 12 degrés et je vais faire du vélo. J'ai intérêt à bien me chauffer. Tu connais la chanson, frérot. On se retrouve tout à l'heure. Alors, mesdames et messieurs, je suis désolé, on passe sur la caméra de mon téléphone. C'est la caméra frontale, pardon, donc elle n'est pas super ouf. Je me suis rendu compte que le nouveau truc qui me servait, enfin, le truc que mon père m'a filé pour charger
un allume-cigare, bah il marche pas sur la mini-caméra. Cette fameuse mini-caméra qui est juste là, je la préserve un peu pour tout à l'heure, quand on mangera au McDo. Là, le seul truc qui me pose problème, c'est que du coup, là, je suis sans GPS, sans rien. Donc là, il va falloir y aller au couillasse, quoi, clairement, voilà. Je suis désolé si le cadrage est pas fou, c'est pas du tout fait pour un téléphone, ça. Et en plus, je suis même pas sûr d'avoir assez de place sur mon téléphone, vu que j'aime bien enregistrer toute ma life. Donc le suspense est un peu à son paroxysme. Au pire du pire, je rentre chez moi. Tiens, rebois un peu d'eau, toi. Putain, on a roulé pendant longtemps, là. 45 minutes, non-stop. Le vélo, il est bien accroché. Oula, pas percuter la voiture de derrière. Ni la voiture de devant. Et c'est parti, on peut partir. Je fais pas attention, j'ai fait percuter des gens là. Là, va falloir que je trouve un McDo sur mon chemin du retour. Alors, c'est pas sûr que j'en trouve un et c'est très compliqué pour moi. Je suis désolé s'il y a un léger flou sur la caméra, c'est qu'il y a énormément de poussière sur la caméra frontale, mais tu sais, l'intérieur de la caméra frontale, de l'objectif, de la lentille. Ce qui fait que bah c'est dégueulasse comme image. J'essaierai de l'améliorer au montage, augmenter le contraste ou quoi. Mais voilà, ce sera pas fou, je suis désolé pour ça. Et je filme pas en 4K. Ouais, quand je vous parlais du freestyle sa mère tout à l'heure, là on est en plein dedans. Là c'est clairement, j'ai dû improviser avec ma bite et mon couteau, tu vois. En plus j'aime beaucoup cet angle de caméra parce que là, c'est la première fois que j'ai un retour direct. Parce que là, j'aurais pu utiliser la caméra normale de mon téléphone pour avoir une meilleure qualité, mais le problème c'est que j'aurais pas pu savoir comment était le cadrage. Alors que là, tu vois, je le vois à peu près et je vois le retour de Kenny derrière, c'est incroyable. Là il fait beaucoup moins le malin après qu'on ait fait du vélo là. Là je l'ai tué et... C'est moi sa tête là. Oh, ton museau et mon museau. Oula, 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 je me suis inversé dans toutes les... Là, je suis en train de prendre des chemins aléatoires. Je sais pas où je vais. Je crois que je viens de me gourer de chemin là. Là, j'utilise ma mémoire pour aller à destination, sauf que je ne sais pas où encore, quelle destination je vais prendre. Quel McDo je vais prendre, parce qu'il y en a des McDo. Après, ce qui est bien avec McDo, c'est qu'il y en a partout. Donc en soi, se perdre, c'est pas réellement possible. J'emprunte un chemin qui n'est pas le bon, mais je connais la ville. Ah, je vois où on est. Va falloir que... De toute façon, il faut que j'aille... quelque part. Si je vais quelque part, c'est déjà pas mal. Là, la mission, ça va pas être de savoir comment atterrir chez moi ou quoi, tu vois. C'est savoir où on va. Parce que là, on est dans une partie du département où c'est clairement le... Comment dirais-je ? La merde. Je suis désolé si je fais pas beaucoup de blagues et que vous voyez pas beaucoup Kenny parce qu'il est juste derrière moi, ce con là. Mais je me concentre pour voir où je vais. Alors par rapport au McDo, je vois pas où on est. Enfin, je vois pas le chemin pour aller au McDo, mais je sais comment rentrer chez moi. C'est déjà ça. On peut survivre, mon ami. Frère, comment t'as... La meuf, elle a pris 1 milliard de places sur la route alors qu'elle était en smart. C'est la première fois depuis très longtemps que je regarde les panneaux pour savoir où je vais. Parce que je connais la route là, je sais où je suis, mais je sais pas comment me rediriger. Eh, hey, mais là, mais cette vidéo, c'est... Comme en 2015, bonjour le freestyle sa mère quoi. Je suis obligé de rouler la tête penchée Kimi pour qu'on te voit à l'écran. Alors je cherche, je trouverai. Oh putain, mais ça, j'ai horreur de ça. J'avais absolument aucune raison d'avoir cette chanson en tête. Je l'ai eu en tête. Il n'y a aucune musique, aucun mot-clé. Sur la route, il n'y a aucun partenaire, il n'y a aucun particulier. Qu'est-ce que... Je me dégoûte. Il est en PLS. Petit chien fatigué. Tu es fatigué, petit chien. Il n'y a pas encore le panneau que je veux voir, le panneau de la ville, là, qui répond au nom de Bella. Putain, je suis perdu, où elle est, où cette ville, là? Après, on va pas se mentir, j'habite à côté d'un McDo. Donc, en soi, que je sois perdu, là, ou pas, rien à foutre, tu vois. Tous les chemins mènent au McDo, comme disent les... Les gros. Le chien, c'est un aspirateur derrière. C'est un aspirateur qui est un peu pété, tu vois ce que je veux dire? Ah, lui aussi, il a un vélo accroché à sa bagnole. C'est pour ça qu'il m'a cédé le passage. C'est un frérot. Je sais pas comment j'ai fait pour atterrir au niveau de mon ancien lycée. Je ne comprends pas. Je sais que c'est avant tout des rencontres, mais j'ai rencontré personne aujourd'hui, madame. Oh shit! C'est vrai qu'il y a une priorité à droite ici, j'avais oublié ça. Autant pour moi. Ça fait très longtemps que je peux... La dernière fois que je suis venu ici, c'était pour amener ma soeur de l'école, pour te dire. Ça fait un moment qu'elle est plus au lycée. Oh, quel bonheur. Avant, je vais tout le temps aller la chercher, ça me pétait les couilles. Ça me pétait les couilles. J'aime beaucoup parce que souvent en commentaire de vidéo, on me dit putain, c'est dommage, Kevin, il est vulgaire, ce serait mieux sans. Et là, je me dis punaise, ça se voit que vous me connaissez pas dans la vraie vie. Alors là, dans la vraie vie, je pense que j'ai encore moins de limites que dans les vidéos YouTube. Putain, mais il y a du monde. Depuis que les gens ils savent qu'il y a un couvre-feu la nuit, maintenant ils profitent de la journée, ils sont chiants. Après être passé par mon ancien lycée, là, je passe par là où habite mon meilleur pote. Enfin, what the fuck. Mais sérieux, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour manger McDo ou quoi? C'est abusé ça. Attends. Mais je viens de me rappeler, mais j'ai un McDo encore plus proche que celui où je voulais aller dans ma tête là. Il y a un McDo à côté de ma salle de sport. Mais quel con, on va le faire celui-là. Je pense que c'est la première fois que je passe autant de temps en bagnole pour une vidéo quoi. J'ai pas mangé depuis hier soir, je commence à me sentir faible. Où sont mes glucides, où sont mes lipides, je ne les sens plus là. Est-ce qu'ils captent qu'on commence à être pas loin de la nourriture? Allez, je vous dis, j'ai faim, je vais déboîter au moins 2 burgers. Elle marche la borne ou... Ah, j'ai l'air d'un con, je sais même pas si elle marche la borne là. Bon, la caméra a coupé comme c'était prévisible. Du coup, ce qu'on va faire nous, un truc tout con, c'est déjà on va faire ça.
Voilà, comme ça on va savoir comment on est synchronisé. Je sais pas si la caméra elle a coupé avant que je commande, du coup ce que j'ai demandé à la borne, enfin à la dame qui gérait la borne, c'était quoi? C'était un menu Royal Deluxe, un menu Maxi Best Of Royal Deluxe évidemment, frites coca, un CBO et un McFlurry d'un caramel. La base. Je repasse vite fait sur la mini caméra, j'ai peur que la batterie tombe en rade totalement. Alors étrangement, la batterie a augmenté depuis que je l'ai éteinte. Je ne comprends pas. Par contre là, attends, j'ai même pas encore payé, putain c'est... J'ai la dalle. Si jamais la caméra là elle s'éteint, vous inquiétez pas, j'ai fait de la place sur mon téléphone et là je vais pouvoir continuer à enregistrer. Allez, encore une grosse demi-heure avec mon téléphone portable, du coup c'est cool. Vous aurez plein d'angles de caméra différents et c'était pas du tout prévu à la base, mais en vrai ça peut être enjoyable, autant en kiffer. Et j'ai dit enjoyable, t'as envie de me gifler? Moi aussi. Bonjour. J'aurais peut-être dû vous prévenir, oui. Merci à vous. Oh, vous avez pas vu ce qui s'est passé? Elle n'avait pas capté Kenny au début. Elle s'est retournée, d'un coup il y avait un chien, elle a flippé genre. Tu fais peur aux gens, Kenny. Oh, c'était incroyable. C'est la première fois que j'ai une réaction pareille de quelqu'un d'autre. Elle a flippé, bordel, waouh. Avec les vignettes de jeu Monopoly, cumuler les vignettes, gnagnagnagna. Mais elles sont les vignettes. Merci à vous. Au revoir. Putain, il est blindé ce sac. Oh, ça sent tellement bon. Ok, ladies and gentlemen, on est avec la mini caméra en espérant qu'elle tienne le coup jusqu'à la fin de la vidéo. Oh, c'est... vous voulez voir à quoi ressemble mon McFlurry là? Qu'est-ce qui s'est passé, McDonald's? J'ai demandé d'un caramel, certes, mais le caramel il est beaucoup trop omniprésent. Taré la meuf! Je me disais quand je l'ai vu sortir le truc. Oh, attendez, il y a le truc Monopoly là, les étiquettes Monopoly. Cumuler les vignes. Monopoly 20, ok. Vous avez gagné 10€ à voler sur Cheers ou 10€ à voler sur l'Ubisoft Store. Bah, du coup, il doit y en avoir sur partout là. Oh, j'en ai 4 sur mon coca! Ça fait plaisir! Alors, 50 points Monopoly et vous avez gagné un expresso ou une boisson 25 centilitres. Oh là 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 là, mais je vais me ralasse! Rendez-vous sur la case, gna, 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 recevez 20, gna, gna. Ouais, bon, ça c'est des trucs Monopoly à faire sur le truc en ligne là. Y'a pas sur les frites, hein, je suis dégoûté, c'est que sur les boissons et les glaces, genre. Ça, c'est le CBO, il le reconnaît, ce gros dogo là. Tu reconnais le CBO? Et la nouveauté que j'ai jamais mangé ça de ma vie. Hein. Pour le coup, c'est un Royal Deluxe. Quoi ça ressemble? C'est ça le Royal Deluxe? Elle est où la royauté là-dedans là? Heureusement j'ai pris un CBO à côté, sinon j'aurais crevé la dalle. Je me disais, elle m'avait pas donné de serviette, mais en fait si. C'est donc une femme bien. Elle a éjaculé du caramel dans ma glace, mais c'est une femme bien. Mange. C'est bien hein. Attends, je te vire un peu de steak. Non, en fait, ce qui est chiant, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'eau de salade là-dedans, de tomates, tout ça. Tiens. Oh! Comment on peut capter autant d'attention sur un chien? La nourriture. Tiens, mange mon chien. Oh, c'était tout doux. C'était tout doux, mon toutou. Pas ouf, leur sopalin. Allez hop, un burger de tapé. Maintenant, le vrai burger. Parce que bon, c'est la source sûre et qui est vraiment excellent. Chicken, bacon, onion. On va te donner un peu de chicken, mon fils. Encore une fois, c'est des petites quantités, ça ne fera rien. T'étais pas obligé de baver sur mes doigts directement. Elle est pas belle la vie? Du vélo, des burgers. Que demande le peuple? Autant le Royal Deluxe était bordélique, mais il était clairement meilleur que le CBO quoi. Mange. Qu'il est mignon ce petit fils de... Oh, les frites sont encore tellement chaudes et fraîches. Enfin, tu m'as compris, regarde-moi ça. Tiens, regarde. Oup, 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 oup. Et la deuxième pour la famille. Hop, 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 hop. Sans se salir les mains. Attention, c'est incroyable. Quelle assiduité. Quelle technique. Quel rototo d'enfant. Mange. Oui, c'était tout doux, c'est bien ça. Je renverse des frites partout. Ah. Oh, pendant mon chien, ça va être là, toi aussi. Mange. C'est pas genre, tu veux pas manger, mange. Bah oui. Monsieur, je fais le diplomate. Attends. Attends. C'est bien, mange. Oh là 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 là, t'es... Il est doux ce chien, il est doux. De Sibérie. Ah, je commence à être blindé, je sais pas si j'aurai pas la place pour la glace. Je mange beaucoup moins que d'habitude pour ça là. Ouais bon, ça me saoule de manger la faim quand même. Tu viens de lâcher un de ces filets de bave, frérot. Je l'ai pas vu directement, mais j'ai vu le reflet de la lumière dans les larmes. Enfin, dans ta bave. Mange. Oui. J'ai laissé la glace toute seule. Elle est encore pire qu'au début. Théma, elle a un bouton. J'ai de la glace qui a de l'acné. Attends, parce que si tu le perds, ça fait quoi?
Voilà, une très belle allégorie de l'acné, c'est du bouton lui-même, c'est... On va quand même mélanger un peu, on va pas se mentir que ça fait beaucoup de caramel pour aussi peu de glace. Même dans le pire des états, ça reste la meilleure glace du monde, quoi. Et il était fatigué avant de venir, hein, je le rappelle. Hein. Mais la fatigue n'est rien par rapport à la nourriture, la faim justifie les moyens. Oh, je suis blindé extra plus. Je crois que c'est la première fois vraiment, hein. Première fois que je cale autant dans une vidéo dégustation, les gars. Et j'ai des fourmis dans la main droite tellement je suis blindé. Peut-être parce que j'avais que ça coupé comme ça, je ne sais pas. Je pense que la meuf, elle savait que j'étais un giga gros porc, elle a mis un milliard de sopalins. Fini. C'était le McDo le plus douloureux de ma vie, je pense. Oh. Oh, le coca. Oh, le con, il reste le coca. Ah non, je peux pas. Ah, mais... Ouah, mon... Oh non, il y a de la glace sur mon pull. Oh, il y a trop de trucs qui se passent d'un coup, là. Bon, il est l'heure de rentrer à la maison. Oh, je souffre. Oh là là, j'ai trop mangé. Oh, je vais chier du caramel, je vais rien comprendre, moi. Allez, mon chien, c'est l'heure de retourner à la putain de maison. Bon, bien, les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo à fond si elle vous a plu. Putain, j'en oublie ma phrase d'outro. Dans la description, il y a la boutique. N'hésitez pas à y aller faire un tour pour acheter des petits trucs, tu vois, genre pour faire plaisir à la famille, pour soutenir la chaîne. Dans la description, il y a aussi mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok maintenant. N'hésitez pas à aller m'y follow et à soutenir la famille au-delà des frontières youtubiennes. Et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je vous sors une nouvelle vidéo. En tout cas, voilà les amis, je suis mort. À la prochaine.